Allez, c'est la fin de cette édition. À suivre sur DC Radio, nos invités dans le Grand Gap à 12h45, ça sera l'association Equality que vous avez entendu tout à l'heure. DC Radio, All Song Station. DC Radio, Route de la Luye, 92. 12h45, l'invité du Grand Gap sur DC Radio. Bienvenue dans le Grand Gap, avec nous à la mi-journée, l'association Equality avec Lionel Pi et Angélique Lucchesi. Vous êtes tous les deux membres de cette association. C'est une association qui lutte contre toute forme de discrimination. C'est ça, tout à fait, oui. Nous sommes une association de lutte contre toute forme de discrimination et pour le mouvement LGBT. D'accord, c'est quoi ? Alors le mouvement LGBT, c'est un mouvement lesbien, gay, bi, trans. Donc nous sommes une association militante pour les droits LGBT et aussi contre toute forme de discrimination en général. Alors l'association existe depuis 2010, elle était à l'origine bordelaise, puis étant donné que notre président, le président et fondateur de l'association, M. Gauthier Sandy, a déménagé sur Sisteron, donc le siège social a suivi aussi. D'accord, et ça fait sur un an à peu près qu'elle est. Vous êtes combien de membres dans cette association ? On est une vingtaine de membres. D'accord, ok. Pourquoi du coup avoir décidé de mettre en place cette association ? Alors, dans la région, il n'y a pas beaucoup d'associations qui luttent contre les discriminations. Donc, étant donné que le président est venu s'installer dans la région, donc tout a suivi. Et en fin de compte, on s'est aperçu que ce soit dans les petites villes ou dans les races campagnes, il y a quand même pas mal de travail à faire. Et puis, notamment, avec le sujet des migrants qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, du coup, on a eu un petit peu de travail. Alors, concrètement, vous faites quoi, en fait ? Concrètement, vous êtes là pour sensibiliser les personnes ou vous accueillez aussi des personnes ? Alors, on accueille les personnes, on les dirige sur des structures que nous, on ne peut pas forcément maîtriser. Sur d'autres associations qui sont partenaires avec nous. Et on les accompagne s'il y a des plaintes à déposer ou quoi que ce soit, puisqu'on a la possibilité de se porter partie civile. Donc on les accompagne pendant les démarches judiciaires qu'il faut faire. Et vous avez également une émission sacrée. Alors c'est une web radio qui s'appelle Gay Free Radio. C'est une émission qu'on fait tous les samedis en direct de 15h à 18h. Où on propose des sujets divers et variés, de sensibilisation sur la santé, des sujets politiques aussi, on en a aussi. Ou alors ce sont des auditeurs qui nous proposent aussi un sujet, et puis à ce moment-là, on fait un débat dessus, et puis voilà. Donc concrètement, par exemple, là, dernier exemple peut-être ? Dernier exemple, là, en ce moment, c'est les présidentielles, on est en plein dedans. Donc du coup... on en voit quoi. On fait des débats, on étudie les programmes et puis voilà. On prend pas de parti pour qui que ce soit, mais bon, on décortique un peu les programmes. D'accord. Vous avez aussi des événements, hein, j'imagine, tout au long de l'année. Tout à fait. Là, un événement qui est à venir, donc le 25 février à partir de 20h à la salle de l'Alcazar, qui est notre loto. On organise un loto pour tous les gens de la région, hein, donc avec de nombreux lots. 98 commerçants ont participé à cet événement-là, donc encore un grand merci à eux. Et donc on espère avoir du monde, hein. On peut accueillir jusqu'à 440 personnes, donc espérons qu'on arrive à faire salle comble. Et l'an dernier, vous aviez même fait un barbecue géant. C'est ça, on a fait un barbecue public, oui. Public, d'accord. Oui, public, donc qui était ouvert à tout le monde. Donc ça a été le premier événement, donc on va dire que ça... On n'a pas cartonné, mais bon, ça a bien marché quand même. Et hormis le loto, vous avez d'autres événements en perspective ? Oui. Donc. Je te laisse parler. On a des brocantes aussi qui sont prévues. Et puis la marche La marche des fiertés, donc, voilà. Donc on essaye d'organiser. Donc c'est une manifestation, hein, tout simplement. Donc pour que les personnes... comme il y a lieu sur Paris, hein, la Gay Pride, tout ça, donc faire à peu près le même principe, mais beaucoup plus petit. Forcément, vu la région, on ne peut pas se permettre de faire comme à Paris. Donc c'est une petite manifestation pacifiste, hein, bien sûr, à la fin de faire reconnaître aussi nos droits et puis que les gens aussi puissent s'exprimer à l'extérieur. Ainsi que des forums associatifs, etc., etc. Plein de choses de prévues, ouais. Qu'on peut retrouver, j'imagine, sur un site internet. C'est ça, sur notre site www.asso-6-equality.org. Je vais y arriver. Donc on résume 3 fois www.asso-6-equality.org. Voilà. Super. Et bien merci à tous les deux d'avoir été mes invités à la mi-journée. Et chers auditeurs, bonne continuation à l'écoute.